cabinet, je reçois beaucoup de personnes avec des problèmes de cervicalgie, que ce soit en aigu, en traumatologie ou avec des personnes qui sont soumises à du stress et qui ont cette zone très douloureuse, ou que ce soit plus en chronique, dans des soucis d'arthrose par exemple. Donc j'utilise le K-laser pour ces deux profils. En aigu, je vais l'utiliser pour un traitement au niveau des points trigger pour soulager ces douleurs qui sont présentes dès le départ et les soulager au plus vite. Et en chronique, je vais agir plus en profondeur sur des douleurs qui sont très anciennes, depuis quelques années, afin ensuite de pouvoir travailler sur les mobilités de ces gens qui sont très raides. Donc pour un problème de cervicalgie aiguë, je choisis dans ma région cervicale un programme de contracture musculaire. Après avoir choisi le phototype, je règle la chronicité et la douleur. Et je pars pour un programme de 4 minutes 30. Je vais dans un premier temps stimuler les racines. Puis ensuite, stimuler les points trigger au niveau du trapèze supérieur. Je peux aussi remonter plus haut pour traiter les céphalées d'Arnold. Et puis je traite la zone plus large. Pour une cervicalgie aiguë, je préconise des séances rapprochées, 3 par semaine, sur peu de semaines, suivant l'évolution du patient. Alors que pour une cervicalgie chronique, je vais faire 2 séances par semaine, mais sur une plus longue période.